Rabbi, viens. Rabbi, viens. Glorifier un pasteur. Il vient pour glorifier Jésus. Et lui, tu veux que Jésus-Christ, que tu veux que le Saint-Esprit agisse dans ton ministère et dans ton église, tu as intérêt à élever Jésus. Et non pas à t'élever toi-même. D'ailleurs, c'est l'une des causes principales que Dieu n'agit plus dans nos églises, parce que nous sommes trop devant. Un enfant a demandé à son père comment Dieu est grand. J'aimerais savoir la taille de Dieu. Et son père, il a dit à son enfant, regarde-toi Zola, c'est cet avion, est-ce qu'il est grand? L'enfant dit, ah c'est trop petit, c'est aussi petit que mes doigts, c'est très petit. Le papa a répondu à l'enfant, mais il y a plus de 200 personnes à 400 personnes dedans. Et trois jours après, le père prend l'enfant, l'amène à l'aéroport. Il s'approche d'un avion, il dit à l'enfant, combien est grand cet avion? L'enfant va dire, wow, c'est très très grand papa. Le père a dit à son enfant, c'est pareil pour Dieu. Plus tu es loin de Dieu, plus il va paraître petit. Et plus tu te rapproches de Dieu, plus il sera grand pour toi. Plus tu vas vivre sa grandeur, plus tu vas vivre sa présence. Alléluia, alléluia. Déposez vos fardeaux aux pieds du Seigneur. Ne passez pas toute la journée à prier pour vos problèmes, à jeûner pour vos problèmes, à pleurer pour vos problèmes. Déposez vos fardeaux et donnez votre temps à l'intercession, à prier pour les fardeaux des autres et priez et adorez Dieu parce que Dieu cherche ses adorateurs. Pour être un vrai adorateur, il faut devenir un homme inconscient. Il faut devenir fou selon ce monde. Inconscient selon ce monde. Me dis, mais celui-là a de tels problèmes, il s'en occupe même pas et il passe son temps à prier. Celui-là a une telle facture, au lieu de pleurer, mais il ne pleure pas, il adore Dieu, mais il est malade. C'est ça. Il faut que les gens disent, mais tu es malade, et tu es zozo. Et, écoutez. Déposez vos fardeaux, vos problèmes aux pieds du Seigneur et adore Dieu parce que nous sommes appelés à cela et vous allez voir la gloire de Dieu. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures sans colère ni mauvaise pensée. Garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Vous pouvez prier des heures et jeûner des jours sans jamais entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le temps que vous passez dans la prière qui compte, mais c'est le temps que vous passez dans la présence de Dieu qui compte. Et pour entrer dans sa présence, il faut des mains innocentes, des mains pures, un cœur pur, c'est-à-dire la sainteté. Écoutez bien. Là où règne le désordre, Dieu n'est pas là. Et voilà pourquoi, dans nos églises, aujourd'hui, on parle de Dieu, mais on ne voit pas Dieu. On parle des miracles, mais on ne voit pas des miracles.
On parle de la gloire de Dieu. On ne voit pas la gloire de Dieu. Nos cultes aujourd'hui ressemblent à des concerts, à des spectacles. Quelqu'un vient dans nos cultes, il y a une bonne adoration, des louanges, les gens dansent, il y a un bon spectacle, il y a une bonne animation. Et les pasteurs aujourd'hui souvent correspondent à de bons conférenciers, ils sont éloquents, ils savent parler des fois, ils sont intelligents, mais tout ça c'est bien. Mais l'apôtre Paul dit, l'évangile ce n'est pas des discours persuasifs de la sagesse humaine. L'évangile est une démonstration de puissance, bien-aimée. Pourquoi nos églises, pourquoi les chrétiens aujourd'hui ressemblent aux prophètes de Baal? Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ressemblent aux prophètes de Baal? Vous voyez, Élie a dit aux prophètes de Baal, le Dieu qui répondra par le feu, c'est le véritable Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est le véritable Dieu. Le Dieu qui répondra. Il faut que le feu soit dans ta vie. Il faut que ta famille voit le feu. Il faut que ton mari voit le feu en toi. S'il voit le feu en toi, il va se convertir. Tu n'as pas besoin de te disputer ou de faire des débats avec ton mari. Laisse seulement ton mari voir le feu. S'il voit le feu, s'il sent le feu. Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie si tu veux voir le feu tomber. C'est exactement ce que le prophète Élie a fait. Les prophètes de Baal ont prié, ont prié, ont prié. Ils se sont fait des incisions, ils ont prié. Dieu n'a pas répondu. Cela me rappelle les chrétiens d'aujourd'hui. Nous chantons des louanges toute la nuit, le veillé, mais on ne voit pas la gloire de Dieu. Les gens tombent, mais ils ne sont pas délivrés. Les démons, c'est toujours parfois les mêmes personnes qu'on doit délivrer, qu'on n'arrive jamais à délivrer. Vous ne voyez pas que c'est un spectacle qui devient une distraction. Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre toi sera condamnée. Toute arme que tes ennemis vont utiliser. Jésus-Christ a dit, le monde vous haïra parce que vos œuvres sont bonnes. Ils peuvent faire des fausses rumeurs. Ils peuvent te critiquer. Ils peuvent même t'empoisonner. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais Jésus-Christ s'est dit, c'est sans effet. Voilà pourquoi David est dit dans le psaume 119, verset 23, les princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, je ne m'inquiète pas. Moi, je médite ta parole. Parce que tant que tu es dans la parole de Dieu, tu es imbattable. Tant que tu es dans la parole de Dieu, 10 000 tomberas à ta droite, 1000 à ton côté, tu ne seras jamais atteint. Merci, cher bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ici, en France, il fait froid. C'est très tôt matin. Et nous allons prier pour que le Seigneur puisse vraiment bénir ces moments que nous allons passer. Tendre Père, merci pour ta présence. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour la présence de chaque frère et sœur. Nous savons que nous pouvons compter sur toi, Seigneur Jésus. Et nous venons réclamer le sang de Jésus-Christ sur nous. Le sang de Jésus-Christ sur le bien-aimé. Le sang de Jésus-Christ sur le frère et sœur. Tu vas dire, Seigneur, je réclame le sang de Jésus.
Je demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire, qui n'a pas été à ta gloire. Pour tout ce que j'ai pu faire en pensée ou en parole. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs, c'est très important que vous puissiez aussi prier avec nous. Vous voyez, c'est très important. Vous savez, le but de ce moment de prière que nous passons, ce n'est pas simplement de prêcher surtout. Bien sûr, on partage avec vous la parole de Dieu. Mais le but principal, c'est que nous voulons vous entraîner à prier. Nous voulons vous entraîner à être en communion avec Dieu. Nous voulons vous habituer à chercher la face de Dieu. Nous allons parler avec le Saint-Esprit. Pendant que je prie, et priez aussi. Suivez mon exemple. Et si vous ne savez pas prier, vous ne savez pas quoi dire, répétez simplement ce que je dis. Vous voyez, répétez. Vaut mieux répéter ce que je dis que me regarder simplement sans rien faire. Et vous allez voir la différence lorsque vous allez commencer à prier. Et je tiens à vous dire, comme dans la journée, et j'ai beaucoup de choses à faire, je me suis décidé de prier à 3h du matin. Là, il est 3h du matin. Il est 3h du matin et je suis en train de prier d'avance pour 7h30. Vous voyez, la vie de prière est une vie de sacrifice. Nous allons parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, attire-moi vers toi. Saint-Esprit de Dieu, apprends-moi à t'aimer. Saint-Esprit de Dieu, que ton feu brûle en moi, brûle toute forme de convoitise, toute forme d'orgueil, toute forme de choses charnelles. Saint-Esprit, mets en moi l'humilité, Seigneur. Apprends-moi à m'humilier. Apprends-moi à élever les autres. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta fidélité. Merci, Saint-Esprit, pour ton amour. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton onction. Tu es un Dieu merveilleux. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer, Saint-Esprit. Je pense que si toi tu ne nous attires pas, le monde peut nous attirer. Si toi tu ne nous gardes pas, tu ne nous préserves pas, le péché peut envahir nos vies. Nous avons besoin que tu puisses nous garder de tout péché. Nous avons besoin que tu puisses nous protéger. Merci, cher Saint-Esprit. Attire tous les bien-aimés, tous les frères et sœurs. Attire-nous, Seigneur. Gloria Ndakama Yeti Kaba Shunduru Baba Shindarababa. Shikaraba Shunduru Baba Shindiri Baba. Vous voyez, c'est des choses que nous ne demandons pas souvent. Seigneur, attire mon cœur à toi. Dans ce monde, il y a tellement de tentations et nos cœurs sont tellement tortueux. Et c'est vrai, je ne suis pas contre la prospérité. Tout le monde aimerait prospérer. Mais j'aimerais vous donner un petit témoignage. Il y a quelqu'un qui devait venir ici à Paris pour assister au culte. Et
je vous dis que j'étais un peu en difficulté parce que le billet d'avion est devenu très cher. Le billet d'avion a doublé presque. Mais je sentais en moi qu'il fallait que je fasse du bien à cette personne. Et j'ai fait une offrande à la personne de 100 euros. 100 euros, je ne dirais pas qui, hein. Je ne dirais pas qui, c'est un témoignage. J'ai sémé par la foi. Mais je vous dis que j'étais juste quand j'ai payé le billet d'avion. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je retourne ce dimanche soir, et chez moi, je reçois un don. Le Saint-Esprit a touché quelqu'un qui m'a fait un don de 1000 euros. Voyez comment Dieu sait nous récompenser. Quelqu'un m'a fait un don de 1000 euros. Voyez, tandis que j'avais sémé hier ou avant-hier, je crois. Non, hier, oui. Avant-hier. Donc, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est apprendre à donner, ne pas seulement chercher à recevoir. Et pourtant, je vous dis que la personne qui a fait ce don ne connaît pas ma situation, ne connaît pas ce que je vis, ce que je fais, mais le Saint-Esprit lui-même est allé le toucher. Je n'ai pas eu besoin de mendier. Je n'ai pas eu besoin de faire des fausses prophéties. Je n'ai pas eu besoin de manipuler les gens. J'ai simplement fait connaître à Dieu mes besoins. Et Dieu lui-même a touché le cœur de la personne. Amen. Dieu fait des miracles. Comme je vous dis, je préfère, moi, personnellement, que le Seigneur me donne même 100 euros ou bien 1000 euros en réponse à ma prière au travers d'une personne, que quelqu'un me donne 100 000 euros par pitié. Celui qui vous donne 100 000 euros par pitié vous rend encore plus incrédule et vous apprend à dépendre de lui. Mais il ne fait rien de mal, hein, mais il vous rend plus incrédule. Tandis que celui qui vous donne 1000 euros parce que le Saint-Esprit l'a touché, vous lui avez rien demandé, mais en réponse à votre prière, propulse, booste ta foi. Et quand votre foi est grande, vous aurez toujours des miracles. Plus votre foi grandit, plus vous allez voir la main de Dieu. Amen. J'aimerais vous dire que je vous aime beaucoup. Et je prie vraiment que votre foi en Dieu puisse grandir, que vous puissiez vous appuyer sur Dieu, que vous puissiez vous enraciner en Jésus-Christ, car Dieu ne vous décevra jamais. Alors vous allez faire connaître à Dieu vos besoins. Vous n'allez pas rester enfermé en vous-même et vivre dans le stress, dans l'angoisse. Non, vous allez simplement dire au Seigneur, « Seigneur, j'ai besoin de l'argent pour payer ma facture. Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Donne-moi l'argent dont j'ai besoin pour m'habiller. » Donne-moi l'argent dont j'ai besoin pour nourrir mes enfants. Surtout pour les mamans seules. Je suis très sensible à cela. Parce que moi aussi, j'ai grandi avec une mère seule. Et je connais et sais que c'est que... grandir avec une maman seule. Les mamans font un travail extraordinaire. D'ailleurs, d'abord, on va faire connaître à Dieu nos besoins et nous allons aussi prier pour les mamans. Surtout les mamans seules. Les mamans seules, je vous dis, Seigneur, tu bénis les mamans qui élèvent seules leurs enfants. Tu bénis les mamans qui
parfois qui sacrifient leur vie. Seigneur, j'admire l'amour de maman, Seigneur. Tu bénis toutes les mamans, Jésus, qui sont toutes seules à nourrir leurs enfants, à payer les études de leurs enfants, et qui parfois sacrifient leur vie littéralement pour nourrir leurs petits poussins, pour les protéger. Oh Seigneur, nous aimons nos mamans, Seigneur, nous les bénissons. Et nous voulons profiter maintenant aussi pour prier pour les papas, pour que les papas soient responsables, pour que les papas arrêtent de courir, que certains pères puissent arrêter de courir à gauche, à droite, mais qu'ils prennent soin de leur famille. Car ta parole dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille a renié la foi. Et nous voulons aussi prier pour le couple. Nous brisons tout esprit de divorce. Le Seigneur n'est pas un Dieu de divorce. Croyez-moi que personne ne vous mente. Le Seigneur n'est pas d'accord avec le divorce. Et nous voulons prendre autorité sur tout esprit d'adultère, d'infidélité, de divorce. Et nous proclamons la victoire de la croix. Seigneur, gardez-nous de l'infidélité, gardez-nous de l'adultère, gardez-nous des convoitises, gardez-nous de la méchanceté. Au nom précieux de Jésus, le Fils de Dieu, au nom tout-puissant et précieux de Jésus, Kore Machinda Rababa Shika Rabasondo, Yekere Baba Shondoro Baba Yaka. Cette semaine, je vais passer du temps beaucoup dans la prière. Nous allons passer beaucoup de temps dans la prière pour que ce dimanche, nous puissions vivre la gloire de Dieu. Je veux vraiment que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Le dimanche qui vient de passer, c'était merveilleux. C'était merveilleux ce dimanche qui vient de passer. Et je crois que les gens qui ont été là, nous avons passé un moment merveilleux. Le Seigneur a touché, le Seigneur a délivré. Nous avons vu la puissance de Dieu. Et moi, je crois que c'est ça. L'évangile, ce n'est pas les discours, ce n'est pas des discours, mais c'est une démonstration de puissance. Il faut que quelqu'un qui vient à l'église, qu'il puisse voir la gloire de Dieu, qu'il puisse voir la puissance de Dieu. Et je vais vous montrer un extrait de ce dimanche, et puis nous allons continuer notre temps de prière. Je vous aime beaucoup de l'amour de Dieu. On va aller le verset 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Bon. Quand je lis de tels versets, je vous dis, c'est un braquage au fil. Voyez, c'est, il n'y a que Jésus qui a pu dire de telles choses. Moïse, aucun prophète, aucun penseur, aucun philosophe n'a pu dire ça. Tous les prophètes, tous les gens qui sont venus, ils ont parlé blablabla, blablabla, quand ils sont morts, tout s'est arrêté avec leur mort. Mais Jésus-Christ dit quelque chose qui dépasse. Il dit, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que je fais, il en fera même de plus grandes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, l'évangile, ce n'est pas seulement le discours. Pourquoi beaucoup de gens sont devenus incrédules? Pourquoi beaucoup de gens ne croient plus en Dieu? Parce qu'ils sont allés à l'église, ils ont entendu, parfois l'église catholique, protestante, évangélique, même certaines églises pentecôtistes, ils ont entendu seulement parler de Dieu, mais ils n'ont pas vu Dieu agir. Ils ont entendu parler d'un Dieu historique. Ils ont entendu d'un Dieu qui faisait les miracles dans la Bible, mais ils n'ont rien vu de leurs yeux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il ne faut pas que votre foi soit fondée sur les discours. Parce que les discours, tout le monde peut en faire. Mais votre foi doit être fondée sur la puissance. C'est-à-dire que je crois en Dieu. Pourquoi? Parce que je l'ai vu agir. Je crois en Dieu parce que je l'ai senti. Mais quand j'étais allé aux Antilles, spécialement en Guadeloupe,
Beaucoup de pasteurs américains, beaucoup de gens religieux sont allés, mais ils ont tous échoué. Alors moi, quand je suis allé, j'avais que 28 ans. On m'a dit, mais toi, tu verras quoi? Il y a des grands pasteurs qui sont venus là, des Américains, ils n'ont plus rien fait. Mais toi, jeune homme, tu verras quoi? Et je commençais, le Saint-Esprit a commencé à m'utiliser. Je vous dis, on commençait la veillée à 20h, on finissait à 8h du matin. Je ne partais pas. Il y avait une telle puissance. Il y avait une telle puissance. On disait, viens et vois. Les gens venaient, ils voyaient. J'ai vu des prêtres vaudous. J'ai vu des prêtres mal aimés à bâtonner tout, dire, écoutez, je suis ton Dieu parce que je le vis agir. Oui, les gens me disent, en France, les gens sont incrédules. Pardonnez-moi les mots. Ah, les métros sont incrédules. Ils ne sont pas incrédules parce que vous leur montrez une évangile qui est avec des discours. Parce qu'ils ne voient pas, ils ne voient pas votre Dieu agir, ils ne voient pas, ils vont vous parler de Dieu. Midi 14 ans, ils ne voient rien. Les disciples allaient répondre. Vous savez que quand Jésus a ressuscité, le roi a payé, le roi est autre, je crois bien, il a payé des gens pour répandre de faux bruits, pour dire que les disciples ont volé le corps de Jésus, et ils l'ont même mangé, ils sont des cannibales, ils ont fui avec, que Jésus n'est pas ressuscité. Imaginez-vous quelqu'un qui vit parmi vous, vous le voyez crucifié à la croix, et puis les gens vous disent qu'il est ressuscité, vous n'avez pas de preuve. Quel est le pouvoir? C'est comme si on vous dit que Johnny Hallyday est ressuscité, vous dites, mais... Quand ils ont dit, Johnny Hallyday est ressuscité, oui, ton tombeau est vide. On dit, mais non, quelqu'un a volé ça. Donc les disciples étaient devant un dilemme. Ils devaient prouver aux gens que ce Jésus-là, c'est différent de tous les autres. Amen. Voilà pourquoi quand Jésus les a apparus en Actes chapitre 1, Jésus a dit, ça ne vaut pas la peine que vous allez prêcher, ça ne vaut pas la peine que vous allez comme ça. On va vous traiter de menteurs parce qu'il vous faut la puissance. Parce que sans la puissance, ce serait votre parole contre les crancans, les ondits. Alors, ne partez pas encore. Qu'est-ce que vous faites? Ne partez pas encore. Il vous faut la puissance. Et alors, à ce moment-là, les gens ont commencé à prier. Les disciples ont commencé à prier pendant 50 jours. Quand le ciel s'est ouvert, la colonne de nuée descendit. Le Saint-Esprit s'est posé sur chacun d'eux. Ils ont commencé à parler dans des langues différentes. Alors là, bienvenue. Alors, je vais vous présenter un serviteur de Dieu qui va nous exhorter un petit peu sur la parole de Dieu. Et je pense que vous serez vraiment bénis. Je pense que vous serez enrichis. Il va vous parler de la foi. C'est quoi la foi? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi la foi. Quand Jésus-Christ s'est dit aux disciples, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Jésus l'a dit à plusieurs reprises. Mais finalement, c'est quoi la foi? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir la foi. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir la foi. Et le serviteur de Dieu vertueux va vous expliquer comment avoir la foi. Dans l'avenir, je veux aussi vous expliquer comment nourrir la foi. Comment faire grandir la foi. Soyez bénis et suivez le serviteur de Dieu qui va vous expliquer toutes ces choses. Alléluia, Alléluia.
Puissance et l'honneur t'appartiennent, Jésus. Oh, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est un privilège de vous apporter la parole de Dieu grâce à mon frère Bishop Eli et son épouse qui accepta la main d'alliance pour pouvoir travailler d'un commun accord. Cela a été décidé par une vision du Saint-Esprit qui m'a montré cet homme, ce serviteur, qu'on se donnait la main pour travailler ensemble. Donc Dieu ne fait rien par hasard. Et j'honore le serviteur du Seigneur et ainsi que son épouse, que Dieu les bénisse au nom de Jésus. Je vais m'adresser aux 5 continents de la terre, si cela est possible. Mais surtout aussi au peuple africain, au peuple antillais, au peuple haïtien. Nous avons, vous savez que il est important pour nous, nous sommes très croyants. Soit nous sommes attirés vers les choses de ce monde d'une manière spirituellement parlant, mais quelque chose de négatif, ou bien on est attiré vers Dieu. Et c'est ça le peuple noir. Il est attiré vers le spirituel, soit dans le mauvais côté ou le bon côté. Mais heureux ceux qui ont saisi la main de l'Éternel pour que leur vie soit en conformité avec la parole de Dieu. Et nous allons traiter aujourd'hui, donc, l'histoire de la foi. Comment parvenir à la foi? C'est très important pour nous de connaître justement comment on peut parvenir à adopter le domaine de la foi, à quoi ça nous sert réellement. Et je vais vous donner des exemples tangibles. Il ne faut pas que la parole de Dieu soit basée sur... une démonstration simplement sur le plan scripturaire, mais il faut qu'il y ait une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il est dit à la loi et au témoignage. Donc nous devons avoir des témoignages. Quand on dit qu'on a la foi, eh bien nous devons avoir des témoignages. Nous devons avoir des œuvres. Il y a des œuvres qui doivent se produire dans nos vies parce que nous avons la foi. Alors nous allons développer un peu ce thème-là. Comment parvenir à la foi? D'abord, il faut chercher l'étymologie, c'est-à-dire la quintessence du mot, pour savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien, pour aller d'une manière très explicite, nous allons parler d'un homme et d'une femme. Lorsque vous rencontrez une jeune femme et vous faites alliance par amour, en fait, vous abordez le domaine de la foi dans l'amour. Vous avez confiance en cette personne. Bien sûr, plus tard, pour quelques-uns, on découvre le contraire, on est déçu, mais normalement, la foi, c'est la confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Donc, il y a aussi c'est la loyauté, parole donnée. Et comme nous parlons de la foi en Dieu, eh bien, ça veut dire tout simplement nous allons faire confiance à cet être. Alors, je vais développer des témoignages positifs comme des témoignages aussi négatifs. Ça, c'est très important parce que une fois, j'ai entendu un meurtrier qui a dit au gendarme, quand le gendarme l'a arrêté, il a dit, monsieur, c'était en Martinique, il a dit, écoutez, monsieur, j'ai frappé cet homme-là par la foi. Je l'ai frappé vraiment, j'avais confiance, je l'ai frappé par la foi. Eh bien, je suis désolé, ça, c'est pas la foi. Ça, c'est de la haine, la conviction qu'il fallait l'éliminer. Mais la foi, c'est pas ça selon la parole de Dieu. J'ai rencontré aussi une femme âgée qui sortait d'une maison de repos, qui s'était échappée, je crois. Et je lui ai parlé de Jésus. Et elle m'a dit, je lui ai dit, est-ce que tu crois, est-ce que tu as la foi en Jésus?
Elle m'a répondu, qui ça va dire? Moi, ça a dépassé la foi, mais je n'ai pas allé plus loin. Elle s'est rendue compte, elle a déjà même dépassé la foi. Qu'est-ce qu'elle entend par la foi? Mais la Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est très important pour nous de savoir. Donc d'abord, c'est la confiance. On fait confiance à quelqu'un ou à quelque chose. Et là, c'est à Dieu. On fait confiance. Nous poursuivons cette pensée au niveau de la foi. Il est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est pour cela que je vous ai donné ce témoignage de mon ami. Elle ne voyait pas encore la guérison, mais parce que j'ai prophétisé sur sa situation, eh bien, nous avons vu plus tard, une année plus tard, nous avons vu le résultat. Donc la foi produit des œuvres. Lorsque nous avons la foi, il dit d'ailleurs, l'apôtre Paul qui dit cela, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par mes œuvres. » Ça ne suffit pas de dire aux gens que vous avez la foi et que vous n'avez pas les œuvres avec, qui ne sont pas accompagnées par des œuvres. Il est dit aussi dans Hébreux chapitre 11, verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Alléluia! Cela nous montre que la foi n'a pas besoin de voir les choses, mais on va faire confiance, comme les enfants, quand nous donnons des paroles aux enfants, les enfants tout simplement croient naturellement. Et c'est pour cela que Jésus dit, au fait, pour parvenir à la foi, si tu ne deviens pas, il dit, si tu ne deviens pas comme, semblable, comme un petit enfant, tu ne peux pas entrer dans mon royaume. Et il a parlé à Nicodème, qui était un docteur de loi. Vous savez, nous pouvons être docteur de loi et être à côté de la plaque, et à côté du salut. On peut être près du salut, mais qu'on n'est pas dedans. Et il faut être sauvé ou perdu. C'est très clair. Nous avons la foi en Jésus, tu seras sauvé. Si tu n'as pas la foi, je suis désolé de te le dire, tu mourras, tu partiras dans l'enfer. C'est clair, c'est net. Il faut que nous soyons clairs. La foi, c'est une bénédiction. C'est une grâce, c'est un privilège d'avoir la foi. Donc il est dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Vous comprenez? Dieu prophétise, il parle sur les éléments et les choses se passent. Je veux vous dire une chose. La foi, quand on a la foi, c'est comme si on était devenu un multimillionnaire, un multimilliardaire. Pourquoi je vous le dis? Parce que là, lorsque vous avez le don de la foi, c'est encore un autre niveau. Le don de la foi, c'est avec le don de la foi, vous faites des miracles. Alors je vais vous expliquer, je vais vous donner un témoignage. Parce que c'est très important de s'appuyer sur les démonstrations de la puissance de Dieu par la foi, le don de la foi. Je vois un ministre qui est hospitalisé. Un homme très important hospitalisé chez nous, dans ce temps-là, dans un service truc militaire. Et donc, quand je vois que cet homme, les médecins attendent sa mort, mais moi, j'attendais pas sa mort. J'ai simplement écrit une lettre, et une lettre de foi, une lettre prophétique. J'ai donné ça à son épouse. J'ai dit, vous ouvrez cette lettre que lorsque votre époux sortira du coma. Je lui ai pas dit quoi que ce soit de plus. Et quand son époux, entre-temps, je priais pour son époux. Son époux est revenu à la vie. Et le médecin a signé son départ pour entrer au pays. C'était en Afrique. Et donc, j'ai dit l'épouse m'a réécrit. Elle m'a dit, effectivement, le médecin attendait la mort de mon mari. Tous les médecins. C'est pour ça que nous l'avons emmené sur Paris. Et quand j'ai lu votre lettre, lorsque mon époux est revenu à la vie, j'ai compris que Dieu, il est vivant, qu'il avait un autre plan pour nous. Alléluia. Voilà ce que, lorsque nous avons le don de la foi, nous arrivons à un autre niveau, parce qu'il y a la foi, simplement avoir la foi en Dieu, confiance en Dieu. Mais lorsque vous avez le don de la foi, vous passez à un autre niveau. Ça, c'est un autre don. Et c'est extraordinaire de pouvoir vivre cela. Un jour, j'étais en voiture et Jésus me parlait.
Des fois, il y a des gens qui pensent que Jésus ne parle pas. Ou bien, on doit compter les nombres de minutes où Jésus ou Dieu doit nous parler. Dieu n'a qu'à faire de ce que nous pensons. Dieu parle s'il veut dire un texte, il dira un texte. S'il veut discuter avec vous 30 secondes, il le fait. C'est ce qui m'est déjà arrivé. Jésus est venu chez moi, il a pris la forme d'un indien, et puis il s'est mis à table, et puis il me parlait. Mais je l'admirais tellement, je l'adorais tellement, il a disparu direct, parce qu'au fait, je n'écoutais pas ce qu'il disait, j'étais en train, mais je savais que c'était Jésus. Parce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent. Donc nous ne pouvons pas nous tromper. Quand Dieu apparaît à vous, vous savez que c'est lui. Si c'est le Saint-Esprit, vous savez. Si c'est le diable aussi, il peut se camoufler. Oui, il se camoufle. Mais le Saint-Esprit va vous éclairer. Alléluia, c'est extraordinaire. La foi en Jésus. Donc il est dit, nous est dit, Hébreux, chapitre 11, verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Vous voyez, il y a des comportements, des gestes que nous allons faire, que Dieu va nous justifier, parce que nous l'avons fait par la foi. Donc c'est très important. On peut faire, Jésus me disait, je vous disais que j'étais sur la route, et il me disait, est-ce que lorsque un sorcier prophétise contre ses ennemis, est-ce que la chose se produit? J'ai dit, oui Seigneur, je suis antillais, je suis martiniquais, je sais. Il m'a dit, et vous, pourquoi vous ne prophétisez pas? Pourtant, je ne suis pas prophète, je vous le dis dans le nom de Jésus. Je ne suis pas prophète, mais je sais que je peux prophétiser sur les éléments. Je peux ordonner le ciel. La gloire à Dieu. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 6, nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Nous allons prier. Parce que si vous croyez en Jésus, il va vous récompenser, au fait. Il est le rémunérateur. C'est ce qui s'est passé pour la sœur, mon ami. Je lui ai dit une parole de foi, elle a attendu, elle a cru, et elle a été récompensée. Et je vous dis, maintenant nous allons prier ensemble. Vous allez mettre votre main sur la main gauche, sur le front, et la main droite sur le cœur. Et nous allons prier maintenant par la foi, peu importe la distance. Dieu n'est pas limité par l'espace et le temps. Donc, là où je suis à Paris, et vous êtes peut-être en Afrique, ou vous êtes dans les Antilles, rien n'est impossible à l'Éternel notre Dieu. Car il est celui qui guérit, qui sauve. Et ce n'est pas un homme qui vous guérit, mais Jésus de Nazareth. Nous pouvons tout simplement prophétiser, prononcer des paroles de bénédiction sur vous et afin que vous soyez bénis. Alors, mettez votre main sur votre tête et la main gauche, la main droite sur votre cœur. D'abord, si vous ne connaissez pas encore Jésus, on va faire une démarche envers notre Seigneur. Par la foi, on va s'approcher de lui. On va lui répéter, on va lui dire, Seigneur Jésus, je me repens devant toi. Je ne te connaissais pas, mais maintenant, je veux t'apprendre à te connaître. J'ai su que tu es mort pour mes péchés et pour mes iniquités, Seigneur. Je te prie maintenant de me pardonner de tous mes péchés, de toutes mes transgressions, de toutes mes déviations. Ô Seigneur, seul toi connais le poids de mon péché. Mais je viens vers toi aujourd'hui afin de déposer mes péchés au pied de ta croix. Je te demande maintenant d'étendre ta main bénissante sur toute ma famille aussi, afin qu'ils puissent accéder à la foi. Parce que j'ai entendu aujourd'hui que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen, amen et amen. Maintenant, ce n'est pas la peine de répéter, c'est moi qui vais prophétiser sur vous, sur votre famille, sur les maladies que vous souffrez actuellement. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, je te prie maintenant d'étendre ta main bénissante sur ceux et celles qui ont touché leur front et avoir mis leurs mains sur leur cœur. Je te prie maintenant, tu les connais par leur nom avant qu'ils soient créés. Tu les connaissais déjà comme un atome de poussière avant qu'ils ne soient un atome de poussière. Alors je te prie maintenant, au nom de Jésus, et je parle maintenant aux maladies, aux cancers, aux tumeurs, cancer,
cancer du foie, cancer du sein, cancer du poumon, les problèmes d'articulation musculaire, articulaire, circulatoire. Au nom de Jésus, je proclame la restauration sur ton corps maintenant. Toi qui souffres de toutes ces maladies, toute maladie qui n'a pas été nommée par moi, soit touchée maintenant. Au nom de Jésus, soit desséchée. Au nom puissant de Jésus. Et que vous soyez libérés. Que les chaînes tombent dans le nom de Jésus. Que les chaînes de malédiction qui a été prononcée sur cette vie, pour sur votre vie, soient brisées maintenant. Au nom de Jésus, je prononce que vous soyez bénis. Et que votre nom soit inscrit dans le livre de vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement, ainsi que votre famille. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Choros arachara soros. Nous croyons, nous vivons des temps très difficiles, mais nous pouvons découvrir ce trésor, cette perle rare, qui est la parole de Dieu. Elle est rare, c'est vrai. Parce que peu de personnes vous amènent cette richesse. Il faut aller la chercher. Il faut creuser. Celui qui cherche, la Bible dit, celui qui cherche trouvera. Donc il faut chercher Dieu. Personne ne peut chercher Dieu à votre place. Mais je vous assure, cela fait 50 ans que plus de 50 ans que je marche avec Jésus. 53 ans exactement. Parce que c'est à l'âge de 13 ans que le Seigneur m'a appelé et il m'a baptisé du Saint-Esprit. Donc je connais le Maître. Je connais Jésus. J'ai déjà entendu sa voix. Je sais que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il est extraordinairement bon, extraordinairement miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Mais il veut que nous puissions venir vers lui d'une manière libre. Dieu ne va pas vous obliger de venir vers lui. Mais vous savez pas ce que vous perdez. Et le plus terrible, c'est quand vous allez rendre le dernier souffle. J'ai vu des milliers de personnes rendre le dernier souffle sans Jésus. J'ai rencontré un écrivain, je lui parlais de Jésus, il m'a dit, de toute façon, je ne crois pas en ton Dieu. Parce que mon frère avait le même cancer que moi, je ne crois pas. Donc c'est pour vous dire que même sur le lit de mort, il y a des personnes qui refusent Dieu. J'ai déjà vu ça, à plusieurs reprises. Donc il est temps, il est dit, souviens-toi de ton Dieu au jour de ta jeunesse. C'est quand tu es jeune, tu devras commencer à chercher Dieu pour accéder à la foi. Et tu vas avoir des richesses dans ta vie, des problèmes qui se résoutent, que ce soit les problèmes financiers, les problèmes de couple, quels que soient les problèmes. Il n'y a rien que Dieu m'a dit qu'il est impossible de régler. Rien du tout. Il est capable de ressusciter les morts. C'est ce que Jésus nous a montré. C'est pas extraordinaire? Donc il faut aller vers le Seigneur. Il est doux de cœur, il est humble de cœur. Et c'est pour cela que ça vaut le coup. Vous ne perdez pas votre temps. Quand vous donnez la dîme de votre temps, vous allez vers Dieu. Vous donnez la dîme de votre temps. Allez dans une église correcte. Si je vais, par exemple, si je suis avec le prophète Élie, le pasteur Élie, bishop, je ne vais pas n'importe où. Parce que je sais si c'est un serviteur ou pas. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu, que nous sommes parfaits, mais nous voulons voir la parole de Dieu avec les œuvres, avec une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Et les hommes ont besoin d'entendre que Jésus. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous visiter, pour que le Seigneur puisse nous transformer. Dis Seigneur, visite-moi, Seigneur, transforme-nous. Si vous n'arrivez pas à croire, dites Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Oui, ça ne vaut pas la peine de faire semblant. Il y avait un homme qui avait, je ne sais pas si c'était son fils ou son serviteur qui était malade. Je crois bien que c'est son enfant. Lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, si c'est possible, viens prier pour mon fils pour qu'il soit guéri. Jésus a dit, si tu peux, si c'est possible, tout est possible à celui qui croit. Et cet homme a dit, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Vous voyez, parfois, quand vous êtes devant une montagne ou devant une situation qui dépasse votre foi, il faut dire, Saint-Esprit, viens au secours de mon incrédulité. Et c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit vient relever notre foi.
Hareba Sheka Baba, Koribara Baba, Koruba Shanda Baba, Sakarabana Yunduru Kanda Yakara Baba, Yakaraba Shikara Baba, Soto Korubaba Rama Sunduru. Alléluia, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Seigneur. Apprends-moi à t'aimer chaque jour davantage. Attire-moi chaque jour vers toi. Mets la crainte de ton nom dans mon cœur. Je vais vivre ton plan parfait. Je vais vivre en communion avec toi. Seigneur Jésus, je t'aime et je t'adore. Je t'aime, Jésus. Dis cela, Seigneur Jésus, je t'aime. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Seigneur, nous voulons que Paris vive ta gloire. Nous voulons voir des musulmans, des arabes, des hindous, des chinois. Nous voulons voir ton esprit visiter ce pays. J'ai toujours pensé à Moïse à 40 ans lorsqu'il a fui dans le désert et surtout lorsque à 80 ans, il devait démarrer son ministère. Moïse à 80 ans. Je ne sais pas si vous vous imaginez qu'est-ce que cela veut dire. Quelqu'un qui était appelé à libérer le peuple d'Israël depuis le ventre de sa maman. Moïse était appelé à libérer les enfants d'Israël depuis le ventre de sa maman. Mais c'est à 80 ans qu'il a commencé son ministère. À 80 ans. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le temps? Presque 100 ans. À 80 ans que cet homme-là a commencé son ministère. Parfois nous sommes trop pressés, bien-aimés. Parfois nous sommes trop pressés. Et Dieu nous promet le mariage. Et Dieu nous promet quelque chose et des fois nous voulons que la chose s'accomplisse vite. Bien-aimés, nous sommes parfois trop pressés. Vous vous imaginez Moïse, Dieu l'a appelé depuis le ventre de sa maman. Mais c'est à 80 ans qu'il a commencé le ministère. Ne soyez pas pressés. Voyez, un mangue qu'on cueille trop tôt est acide. Et il y a beaucoup de ministères acides. Acide pour le peuple de Dieu, acide pour son épouse, acide pour ses enfants. Non pas que le ministre ou la personne est méchant, mais parfois la personne n'a pas encore mûri dans la présence de Dieu, la personne n'a pas encore été transformée dans la présence de Dieu et son caractère, son comportement fait plus du mal à l'église que du bien. Simplement parce que on n'a pas attendu le temps de Dieu. Moïse qui a reçu des prophéties depuis l'âge, ça n'est depuis le ventre de sa maman, mais il a commencé son ministère à 80 ans, après une formation de 40 ans dans le désert. Bien-aimé, soyez patient. Ce n'est pas parce que ça prend beaucoup de temps que Dieu a changé d'avis à ton sujet. Sois simplement patient et dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi, papa. Seigneur, donne-nous la patience. Enlevons-nous toutes les ambitions charnelles. Tout ce qui n'est pas ta gloire. Tout ce qui ne te plaît pas, Seigneur. Ne nous laisse pas ignorants de nos faiblesses et de nos péchés, Seigneur.
Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Jésus vient, nous t'accueillons. Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Jésus vient, Jésus vient. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient.